Je boirai bien tout le whisky. Après la mine, je boirai bien tout le whisky. Après la mine. Monsieur Bird. Ouais. Il y a Monsieur Bickman qui m'a dit de vous dire que vous avez une place en VIP à côté de lui. Oh, ah, Et c'est puis bien. sa femme, du coup. Ah, c'est fort bien aimable. Merci. On peut mettre nos chevaux où? Ouais, je sais pas, on va aller voir par là. Vous savez, ça a déjà commencé? Non, c'est pas encore Nous ouvert, entrons de monsieur 23h, Bird. monsieur Bird. À 23 h! 22h30, 22h30, 23h. Tiens, c'est les horaires. Tiens, bois un coup, ça va te mettre des idées par rapport à ça. Ouais, buvez donc un coup, monsieur Bird. Ah, bien sûr, bien sûr. Oh, messieurs. Ouais. Buvez pas trop. Et petite lampée par petite lampée. Oh, ça va. On verra mieux la pièce comme ça. Mon cheval qui s'est détaché. Monsieur Beckman. Oh, bon, monsieur Beckman, j'ai vu mes camarades là, ils m'ont dit que vous m'avez invité en place VIP. Exactement. Oh, c'est très aimable de votre part qui me vaut cet honneur. C'était l'homme d'affaires, apparemment. Oh, c'est éventuellement peut-être ce qu'on dit. Nous pourrions nous attendre dans un futur. Oh, ça fortement. Vous savez, les affaires sont les affaires, mon bon monsieur. Exactement, c'est pour ça que je vous ai convié à une place VIP. Oh, c'est très aimable. Je vais avertir mes frères que je vais devoir les abandonner pendant la représentation. Voilà, nous serons dans les balcons en haut. Ouais, enfin, ce sont des grands garçons, ils sauront bien se tenir. Super bien, oui. Oh oui, y a pas de doute, y a pas de doute. Mais du coup, il y a déjà du monde qui attend devant. Ouais, il y a déjà du monde, vraiment. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous attendez où? Venez, venez attendre devant le théâtre avec nous, monsieur. Ouais, je vais faire un petit tour derrière, fumer 2-3 cigarettes, et puis... Vous en avez, vous? Attendez, attendez, mon monsieur. Ouais, j'ai même des cigares, si vous voulez. Ah ben oui, justement, tenez. Merci bien. Ouais, Vas-y, ça bien, et puis... se fait avec plaisir. Ouais, on vous attend ici. Moi, je vais boire un petit whisky. Ah oui. T'as bien raison. Ouais. Ouais. Bon, Ben, je vous très bien. remercie en tout cas et Y a pas de à mal. tout de suite. Le cul, apparemment. Hein? De queue illusionniste. Ah, la queue du cheval, oui. Okay. Ouais, ou la queue du rat. Oui, ou la queue de l'ours. Voilà. Tu peux pas expirer sur moi, s'il te plaît. Oh. T'es précieuse maintenant, Black. Toujours. Ah. En plus, comme on a fait la remarque sur ma barbe, heureusement qu'il a pas vu ta moustache. Qu'est-ce qu'elle a ma moustache? Oh, je sais pas, je dis ça, je dis rien. C'est pour réveiller C'est les comme. soupçons. C'est exactement la même que Wyatt. Un peu chose près. Lui, il était pas roux. C'est pas le plus beau de la famille. Et il était pas parfait.
Ah, c'est ça. Rouillé en plus. Je vais aller casser la gueule à ce couturier, putain. De toute façon, on préfère tous voyettes. Je sais pas, y a pas un couturier ici à Saint-Denis, peut-être qui pourra vous dépanner pour ce soir. Non, il est toujours pas ouvert. Ah, ben voilà. Ben alors, voilà, vous resterez comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer torse nu ? Non. Non, certainement pas. Certainement pas, tenue correcte exigée, c'était écrit. Ben aller chez le vendeur de vêtements. Salut, Lauren. Du coup, même habillé, il va pas rentrer. Ce monsieur. Quoi ? Je me suis tapé, je sais pas combien de kilomètres, monsieur. J'ai des petits problèmes, donc. Combien de miles, tu veux dire ? Oui, de miles, oui. Alors, regarde, y a Patrick, il est attaché derrière. Ah oui. Oh, je vais essayer l'écureuil. Mec, allez, 24. Ouais. Tu aurais quelques bouteilles de whisky? Juste quelques-unes au temps de la pièce, quoi, une bonne quinzaine. Une quinzaine? Ah, t'es fou, j'ai jamais ça sur moi. Je crois que j'en ai deux dans la sacoche de mon cheval. Oh, deux, t'es de quoi là? Ben, j'en ai déjà bu trois sur la route, c'est bon. Hey, j'avais 10 bouteilles avant de partir, c'est la dernière. Oh man, bah si tu veux, je peux te partager. Ouais. On aura une chacun après. Hein. Ouais. Prends, t'as l'air bien silencieux. T'as pas de bouteille, frangin. Si j'ai des bouteilles. Ouais, bah voilà. Si tu veux, t'en auras une ou deux de plus hein, pour l'aîné. T'en avais pas 4-5 de trop? Je sais pas, il faut lui demander. Mais s'il a l'air silencieux, je crois qu'il veut les garder pour lui-même. Oh. Ouais, si ça. Ouais, Royat, il nous les aurait donnés. C'est ça, quoi. Il aurait dit que les plus petits auraient dû s'amuser. Mais ça, c'était avant. Ouais, mais nous, on est toujours là. C'est bon. Je tourne en rond. Je boirai bien un petit whisky pendant la pièce. Ouais. C'est la famille Burns. Ouais, vas-y, continue, Black. Ouais, c'est bien ça, ouais. Hey, Warren. Pas si le cas. Montre-nous ton talent. Hein. Vas-y, Warren. Relaxe-nous. Je sais que quelqu'un met un petit cigare en écoutant cette musique. Ok, pas tous ensemble, s'il vous plaît. How do you do? Bonjour. Mais. J'ai pas envie de te répondre. Mais c'est pas toi que j'en parlais, t'en as dans la main. Un petit fond de musique, un cigare. Oh, plus que du whisky. Ben non, on l'a bu le whisky. Attends, fais une pause. Oh. Pense que là t'es en train de travailler à la mine et que tu sais pas voir. Ah bon? Le but de pas boire. T'as une pioche en main, tu tapes. Ah, demande à Warren, demande à Warren. Avec sa pioche. Un coup de pioche, un coup de whisky, un coup de pioche. Vous pouvez commencer à faire rentrer les gens. Ok, alors messieurs, dames, on va vous demander de rentrer tout doucement, tranquillement. Ok.
Monsieur. Allez tranquillement, monsieur Bird. Hein. Mais j'ai... Il est où le bar? À droite, il y a une caisse pour payer les tickets, monsieur dame. Vous faites une file au pied, un par un. Ici? À gauche, à gauche. Non, à ma droite, à moi. Et bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, je vous écoute. Ça serait pour combien de personnes? On va dire, on est trois. Trois, donc un ticket, c'est $5, $15, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. C'est bien, c'est le petit frère qui paye. Par contre, non, il faut pas. Je suis invité par monsieur Bielkman, mon monsieur. Ça va, on paye une place simple pour aller au VIP. Fais pas chier. Alors, vous avez bien reçu? Non, non. Bouge-toi, alors, bouge-toi, Black. Mais t'es, ouais, toi aussi, t'es trop près. Allez, vous donne-lui maintenant. Ressens un peu, monsieur, s'il vous plaît. Eh, voilà, bon, monsieur. Eh, merci, ah, monsieur Albert, vous donne vos tickets. Ouais, ouais. Venez vers moi, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Léon. Vous, le VIP, c'est en haut. Par contre, j'ai eu que votre nom, pas le nom. Ouais, ouais, ouais. Monsieur Bellman, elle me l'a dit, ouais. Allez, vous pouvez monter. Eh, merci bien. Petit problème. Donc, nous, on va où, là? Allez, à gauche, s'il vous plaît. Oh. Bonsoir, monsieur. Vous avez payé, vous? Ouais, j'ai payé, moi, j'ai payé. Ouais, allez-y. Ok. Hé, les frères. Hop là, tenez. Mais finalement, il y aura du whisky que pour nous. Ouais. Allez au bar, ramenez-moi du whisky. Ouais, mais pas là où il est. Ramenez-moi du whisky! Tu rêves? Ouais! Reste dans ton VIP! Oh. Un bar là, normalement si c'est VIP! Oh, des jaloux! Non, je suis pas jaloux du tout, tu sais. Je suis plus près du théâtre que toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais mettre près du frère, même si je préfère y voyager. Alors, y'a des jaloux? Ah, les frères! Vas-y, monsieur. Elle belle vue d'ici, eh? Ah, magnifique. Encore, encore, encore une rangée. Quoi de neuf, Léon? Ah, on va avoir une belle vue, en tout cas. En tout cas, je vous remercie de cette invitation. Y'a pas de mal, ça me fait plaisir. M'a-t-on dit que votre femme serait présente? Mais je suis pas sûr. Vas-y, monsieur. Disons que ma femme joue dans la pièce. Ça doit avoir l'air chouette, hein. Donc, du coup, à mon avis, elle sera pas là. Difficile d'être là. On sait que tous les deux. Oh. Par contre, vous l'avez pas vu où il y avait un bar? Il faut redescendre pour aller au bar. Il faut descendre, mais j'ai de quoi boire. Oh, sinon j'allais vous chercher du whisky, hein, ou autre chose si vous souhaitez. Tenez, mais j'ai pas. Je croyais que vous avez le droit de fumer, hein. Monsieur. Oh, on peut pas fumer? Oh, attends, regardez bien sûr, on peut pas fumer. VIP. Vous pouvez fermer votre gueule, hein, s'il vous plaît. Oh! Oh, de jaloux! Si on pisse dessus. Toujours pareil. Ouais. Avec ses sanglants. Hey Warren! Vas-y, Warren. Bois un coup. Donne ton meilleur. Bonjour. Ça serait pour une entrée. Une seule. Bien, tenez. C'est qui a sorti la trompette? D'accord, très bien, merci à vous. Merci. Merci. Ouais, ouais, ouais.
avez été convié, monsieur ici. En fait, j'ai dormi, j'ai atterri ici, et je comprends pas pourquoi. Oh, je suis pas sûr que vous avez l'autorisation de rester ici, mon bon monsieur. Vous devriez être en bas, mon bon monsieur. Oui, je vais aller en bas. Monsieur Verde. Ouais. Ah, très bien. Bon. Il y avait un individu qui s'était venu interposer ici, là. Je l'ai invité à redescendre en bas. La sécurité n'a pas fait son boulot ? Je sais pas, il était ici, là, c'était le... je sais pas si vous avez vu, devant le théâtre, il y avait un homme qui était vêtu d'habits déchirés. Un petit peu, je ne sais pas d'où il venait, s'il venait du pays ou je ne sais où que sais-je. Mais... Grand ascendant. Ouais, il était ici et je lui ai dit de descendre. Très bien. Oui, on va faire la sécurité intérieure après. Ouais. Ça, c'est qu'un problème de riche, d'être en haut. Une mélodie de Bird. Ah, c'est gentil. C'est sympathique, quoi. Ouais. Il joue bien, mon frère. Effectivement. Ouais, sacré musicien, Warren. Je veux ça. Et Black est vraiment pas mauvais. À la trompette, lui. Oh ? Ouais. Bon, vous voulez discuter de quelque chose, mon bois ? Bon. Je vais parler un peu plus doucement. Mais il s'est passé quoi ? Tout le monde est parti au bar. Ouais, de même. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi, monsieur Burr. Ils vendent pas de clopes au bar. Avec tes 20 dollars. Merci, madame. Oui, mais t'es su. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Oh ! Hey, Avril ! Ouais ! Je te ramène du whisky ? Oh, ouais ! Allez, ça va. Ouais. Ramène-en quelques-unes, 10-15 bouteilles. Ouais, ça va. Oh, ouais. Ouais, ben bon, c'est comme tout le monde, hein. Le succès et l'argent. Très bien. Avec monsieur Wick, nous sommes en passe d'acquérir une grosse société. Ouais. On aura besoin de monde pour travailler. Oh, pour travailler ? Des hommes de confiance qui vont diriger d'autres hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ouais, mais vous savez déjà que j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps. La mine, là, pour l'instant, actuellement. On parle d'argent, là, monsieur Bernard. Oh, ouais. Combien vous touchez ? Oh. Vous savez, ça varie. Et... La pierre, le prix par moment change. Ça dépend, mais. Monsieur John m'en avait parlé. C'était pas pour dans l'immédiat, en tout cas, pour l'instant. C'est pas dans l'immédiat, effectivement. Mais forcément. On prépare le terrain. Certaines choses peuvent, bien entendu, intéresser moi et mes frères, bien entendu. Je suis ravi d'être. Et de toute façon, le jour J, on va recontacter toi. Oh ouais. Ne vous tracassez pas, je serai là. Je serai là, ne vous en faites pas. De toute façon, je continue à faire off. On ferait affaire ensemble. Oh oui, y a aucun problème, je fais affaire un peu avec tout le monde. Je marche un petit peu sur tout le commerce. Par contre, dites-moi, si jamais vous entendez quelqu'un qui vend des cigares autres que monsieur Wick ou monsieur moi-même, nous aimerions en savoir le nom. Oh, ok. Ben, je pense qu'on pourra se voir après la pièce de théâtre, je pense. Très bien. Effectivement, vous serez Ouais, je pense que vous aurez quelque chose sur votre coude ce soir. Parfait. Attendez votre tour, monsieur.
Ça commence. Mesdames et messieurs, citoyens de notre belle région et de ses contrées lointaines, bienvenue au Grand Théâtre de Saint-Denis. Tout d'abord, je dois vous dire merci. Merci de répondre présent au plus grand théâtre du Grand Ouest. Ce soir, nous allons vous présenter des hommes et des femmes, tous plus braves les uns que les autres, tout droit venus des quatre coins du monde, par bateau, en calèche ou à cheval, poursuivis par les Indiens dans leur péril de leur vie. Lors de leur périple, ils ont surmonté bien des épreuves, rien que pour vous, public adoré. Ici, pas de shérif. C'est Jane qui fait la loi. Mais attention, messieurs. Je vous recommande de garder quelques balles dans votre barillet, car elle va vous séduire plus vite que son ombre. Bougez pas où je tire. Alors, messieurs, elle vous plaît, la petite dame? Ouais. Un coup de feu est vite arrivé, n'est-ce pas? Ouais. Et toi, là-bas, avec le regard bovin, tu te régales? Qu'on apporte de l'eau fraîche pour ce cow-boy. Il a un indien dans le pantalon, il me semble. T'as aucune chance, mon ami. Oh! Monsieur Avril? Oui. J'ai du whisky pour vous. Votre frère vous a donné ça. Oh, entendez-vous ces bruits d'éperons du fond de la Seine? Notre prochain cow-boy est un homme de tous les dangers. Il sillonne l'Amérique à la recherche d'aventures. Le shérif arrive en ville et il compte faire régner sa loi. Il sera vous dompter avec son lasso de la justice et gare aux brigands, celui-ci a la cachette facile. Oh! Oh, qu'une belle prise, shérif! Mettez-le au bûcher! Coupez-le! Ah, alors, on s'est fait surprendre? Descends de là tout de suite. J'ai un serpent dans la botte. Oh. De retour après de longues chevauchées en petite tenue, dans les dunes infinies du désert d'Arabie. Notre bien-aimée Jasmine revient pour vous combler de désir. Et pourquoi ne pas passer mille et une nuits avec elle? Sur ses courbes entendantes, un regard suffit pour finir en rouge. Attention à ne pas trop bander votre arc, messieurs, car une flèche pourrait atteindre son cœur. Ouais, ça va être le copyright, ça. Bon. Mais c'est une tuerie, en vrai. C'est une tuerie de ouf. Mademoiselle, voyons, ce n'est pas des manières. C'est juste de parler pour éviter le copyright quand il parle pas, mais... Non, je suis tout émoustillé. Et vous? Ouais. Encore. À poil. Tout de noir tendu. Et sifflant sur son cheval. Il sera vous surprendre de ses talents de tireur. Les dames l'appellent tape qu'un coup. Les hommes le fuient et se sentent écrasés par son charisme. Ses Santiago ont botté plus d'une paire de fesses, et ses mains baladeuses en ont ploté plus d'une aussi. Je vous présente l'aigle noir. Toi là-bas, toi avec le chapeau blanc. Toi, lève-toi et monte sur scène. Allez, vas-y. Allez.
Mets-toi devant cette planche. Et lève les bras, si tu es un homme. Oh putain. Rate-le, rate-le. Oh. Et surtout, ne bouge pas. Sinon, c'est ton oreille qui finira dans le bec de l'aigle noir. Wow. Dégage de là. Oh. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ouais. Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle. Tout droit venu des hautes terres d'Écosse, il est à Saint-Denis, en représentation exclusive, rien que pour vous. Il fait partie des plus grands illusionnistes de tous les temps modernes. Pas un seul ne lui arrive à la cheville. Et il n'a pas sa baguette dans les chaussettes. Le grand David Copperfield. Bonjour à tous, je m'appelle David Copperfield. Je viens d'Écosse pour vous présenter le plus grand tour de magie que j'ai conçu. Malheureusement pour moi, je suis tombé un peu malade. À tout moment, je risque un peu d'état. Achoum. Oh. Le petit oiseau va sortir. Donc je vous disais... Achoum. Oh. Oh. Achoum. Pardonnez-moi. C'est la sorcellerie, ça. Donc je suis là pour vous présenter un tour de disparition épique. Gardez-vous. Achoum. Oh. On se demande où les artistes viennent. Je vais faire mon tour de disparition. Vous allez compter avec moi jusqu'à 10. Si vous savez compter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Ouais, 9. 10. Oh. Oh. Bravo. Ouais, bravo, bravo. Bravo, bravo. Non, pas encore. Mais où est-il? Encore. Bonsoir, monsieur. Pardonnez-moi, pourriez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Oh. Mais où est? Pardon, monsieur. C'est incroyable. Merci, merci. Oh. Bravo. Bravo, bravo. Oh, bravo, merci. Merci à tous. Merci à tous d'être venus au plus grand spectacle du Grand Ouest. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt. Ouais, bravo, bravo. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Ah, c'est fort belle, belle pièce. Bravo, bravo, bravo. Je boirai bientôt le whisky. Après la mine, je boirai bientôt le whisky. Après la mine.